j'ai choisi Agujetas vraiment pour rendre hommage au flamenco traditionnel. Parce que sans justement les bases du flamenco, nous n'aurions pas pu avoir toutes les prestations que nous avons eues tout au long de la semaine. Parce que pour avoir de la modernité, il faut bien des bases sur lesquelles s'appuyer. C'est une personne fondamentalement libre et donc et voire un peu sauvage. On le décrit souvent comme ceci. Cette année, avec une voix très âpre, hein, celle d'Agujetas. Et je dirais que c'était un spectacle quasi symbolique. Nous avons travaillé, nous avons réfléchi en fait sur les éléments fondamentaux. Donc vous aviez le souffle avec la voix d'Agujetas, sans artifice. Vous aviez l'eau, vous aviez la terre avec les berges de la Midouze. Et vous aviez le feu, vous l'avez entendu, avec effectivement la forge et ses lumières très intenses, très rouges. Donc nous avons fait un choix artistique, je pense maîtrisé, qui a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était... je savais que je venais voir une belle voix, mais j'ai trouvé le cadre étonnant. L'éclairage était superbe, donc ça donnait une ambiance très particulière, très étonnante, mais c'était assez inattendu. J'aime beaucoup ces voix graves, donc il nous a montré quelque chose de superbe. On est venu voir parce que déjà bah, c'est quand même une pointure ce mec. Et puis c'est vraiment du cante rondo et c'est un privilège hein, d'avoir un homme comme ça. Hein. Thank you.